Coucou, bon, vous avez vu le titre. C'est le type de vidéo, si vous me suivez, que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. J'étais en train de me préparer, je me suis mis, il y a quand même des trucs très sympas ces derniers temps que j'ai pu découvrir. Et j'avais pas envie de vous montrer tout ça en vlog. Petit aparté, comme ça, ça sera dit. Aucun des produits que je vais vous présenter n'est en partenariat, voilà, comme ça c'est clair. J'ai mon petit panier derrière moi. Je commence par ce que je porte. Alors c'est à vous de trouver, 1, 2, 3, vous avez trouvé ? Ce sont des cils magnétiques. J'ai déjà eu l'occasion d'en tester, qui étaient en partenariat d'ailleurs. Ceux-là ne le sont absolument pas. J'étais chez Nocibé, je suis tombée, ça venait d'arriver. Moi j'avais envie d'en retester parce que ceux que j'avais reçus, comme con, qu'est-ce que j'ai fait, c'était, vous savez, la grande frange. J'aimais pas, ça faisait vraiment drag queen, trop imposant. Donc j'avais coupé, mais j'avais tellement coupé qu'après ça ne marchait plus. Ça coûtait pas cher, j'ai trouvé 9 €. Je vous montre donc déjà ce que ça rend, plutôt naturel. Le secret pour que ce soit bien mis, il faut vraiment que la frange, on va dire, soit collée à notre frange le plus loin possible. Et au moment où on met la frange du dessous, il faut qu'on sente finalement une petite pression. C'est ça qui va nous indiquer que le fossile est bien mis. Voilà comment ça se présente. Et bien c'est la marque Nocibé. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait le schéma, il te montre par exemple le numéro 1, le cil du haut, c'est pour le supérieur droit. Inférieur droit, gauche, enfin voilà, tout est indiqué. C'est plutôt très très pratique à mettre. Et je me suis dit que ça pouvait convenir à tout le monde. Quelqu'un rentre chez moi, c'est formidable. Désolée, me revoilà, tout bouge. J'ai réglé ce qui se passait, c'est elle qui est rentrée. On va faire un petit coucou. Comment ? Je suis reparti. Ça marche, bisous. On va passer à la suite. Alors, je ne m'expose pas au soleil. J'évite le plus possible. Et si je dois me mettre au soleil, évidemment, je mets du 50, bref, je me protège. Le truc, c'est qu'évidemment, c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'avoir le teint un peu hâlé. Et c'est toujours une catastrophe, l'auto-bronzant. J'ai toujours eu soit des marques, soit ça faisait des taches. Et il suffit que tu commences à transpirer. Combien de fois? Ça m'arrive une fois, je vous raconte pas, mais c'était la honte, la honte. Bref. J'ai voulu tester la fameuse marque Saint-Tropez. Toujours entendu du bien, j'ai dit écoute, tu sais quoi, teste-le, tu te feras ton propre avis. C'est chose faite. Alors le truc qui est pas cool, c'est que je l'ai mis, c'est formidable, le résultat est super joli, mais ça fait bien 8-9 jours, donc là, forcément c'est parti et je vais devoir le remettre. Tout ce que je peux vous dire, déjà je vous montre, ça se présente comme si je l'ai commandé sur Sephora, avec mes petits sous. Celui-ci donc pour le visage, et nous avons le grand format qui est pour le corps, et nous avons également, je crois que je l'ai payé en fait, tu dois le payer, t'as le gant, voilà, c'est beaucoup plus pratique, ça évite aussi les taches, et puis pour l'application c'est beaucoup plus homogène, je trouve. Alors, la différence, c'est que bah, l'odeur, franchement très correcte, c'est pas l'odeur à fond d'autobronzant, mais c'est pas non plus une odeur qui est neutre, d'accord. Ce qui m'importait, c'est le résultat. Comme à chaque fois, forcément, je me suis fait mon petit gommage. Je l'ai appliqué. Et le lendemain matin, parce que moi, souvent, l'autobronzant, j'aime bien le mettre le soir. Et le lendemain matin, waouh, qu'est-ce que c'est joli. Surtout sur le corps. Sur le visage, j'en ai mis très très peu. Vu que j'ai des petites taches de rousseur, souvent sur le visage, ça les fait ressortir. Donc j'évite. Mais alors sur le corps, magnifique. Parce que du coup, j'ose pas mettre mes jambes à l'air parce qu'elles sont blanches, enfin bon bref. Et c'est quand même plus joli des jambes bronzées, même si t'as des imperfections de la cellulite, et bah c'est des effets d'optique. Quand ta peau est bronzée, forcément tu parais plus mince, c'est plus joli. Si je devais vous conseiller un autobronzant, ce serait celui-là. Il a un coût, on est d'accord, mais vaut mieux investir dans du bon que du très moyen avec des catastrophes, quoi. Enfin des résultats pas terribles. Je continue avec la beauté parce que vous êtes très souvent à me dire « Caro, qu'est-ce que tu portes sur les lèvres ?» Alors, vous avez vu, moi je suis très nude, d'ailleurs j'aurais dû remettre, je vais le remettre avec vous. Tout simplement, ceci, You Are Lipstick de You Are Cosmetics. Franchement, je crois que ça coûte 2-3 €. Ça se vend par... Non, ça se vend tout seul, sans bubble gum. Moi j'ai pris donc le rose très clair, regardez. Comme ça. Ça tombe bien finalement, voilà. Je remets, je tapote. Et ensuite, je rajoute ça, je me suis pris ça il n'y a pas si longtemps, mais c'est une édition limitée. Donc si ça vous intéresse, c'est Huda Beauty. Pas sûr que ce soit encore. Au niveau de la rêve, c'est Seductress. C'est légèrement pailleté, vous voyez, ici. Et voilà, ça c'est pour donner le petit côté glowy, on va dire. Et il est légèrement rosé, évidemment. Et je peux ne mettre que ça aussi. Alors, parfois, parce que là c'est très clair, je rajoute
Un contour des lèvres que je ne mets pas qu'en contour des lèvres, il est légèrement bordeaux, donc il est plus soutenu. Je le mets sur l'intégralité des lèvres tout en estompant, de façon à ce que mes lèvres soient plus foncées. Et après, quand je fais le combo de ça et ça, ça rend super bien. Au niveau fond de teint, moi je suis quelqu'un qui porte du fond de teint tous les jours, je ne me vois pas sortir sans fond de teint. C'est comme ça, ne me jugez pas, c'est débile, mais c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Toujours à cause de ces petites taches de rousseur et en plus, elles sont de moins en moins présentes, mais voilà, j'aime bien porter un fond de teint, unifier mon teint. Et j'ai découvert, en fait, j'ai reçu un échantillon, bah tiens, quand j'avais fait ma commande Sephora, de Makeup Forever, le Ultra HD, quand je l'ai mis, j'ai dit waouh, c'est hyper foncé. Je l'ai appliqué et bah ça m'a donné un côté bonne mine que j'ai vraiment adoré. Il a une couvrance très modulable, hein, forcément. Si tu fais une pompe, bah, tu le mets partout, ça fait assez léger. Si tu mets deux pompes ou trois pompes, c'est très couvrant, c'est super sympa. Moi, je matifie quand même tous mes fonds de teint. Je mets une petite poudre hein, pour éviter tout ce qui est brillance. Mais il est quand même très, très, très sympa comme fond de teint. Si jamais vous en cherchez un, c'est la teinte, c'est bon, je l'ai. Y245. Donc, je vous conseille d'essayer. Moi, j'ai testé, je vous dis, avant, avec le testeur. Ça reste foncé. Bah d'ailleurs, je l'ai. En ce moment, je grignote plutôt pas mal et je suis tombée sur... Je suis retombée parce que je connaissais déjà, mais j'avais arrêté de prendre ça. Ah oui, on est passé culinaire, mais ça va être juste une chose. Ceci, est-ce que vous connaissez Belvita? Cœur gourmand goût choco-noisette. J'adore l'association chocolat-noisette pour le petit-déj, mais moi, très honnêtement, je ne le prends pas au petit-déj. Au petit-déj, c'est confiture, tartine, beurre. La totale, et ça c'est vraiment en cas de grignotage, quand je reviens du sport ou avant le sport, c'est très bon, 5 céréales complètes, enfin c'est très bon, on se comprend, je pense que si je le scanne, on va me dire que c'est pas terrible, il y a des choses blablabla, très certainement, je vous dis que ces petits gâteaux sont très bons. J'enchaîne sur une lecture que j'ai adoré, mais que je n'ai pas terminé, c'est ce gros pavé, j'adore tout ce qui est enquête, thriller, qualité, quoi, forcément. Bernard Minier, et c'est Le bord de l'abîme. Donc voilà, c'est un thriller. Il est énorme, mais il se lit super. J'adore lire, moi je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais arrêté avant le confinement, je sais pas, parce qu'en plus ça se passait en Chine, c'est assez. Ça remue aussi, donc je me suis dit, ouais, non, je reprendrai, mais j'ai quasiment. Enfin, regardez. Il ne me reste pas grand chose. Palpitant, enquête, thriller, l'héroïne, c'est une héroïne qui part travailler en Chine, donc à Hong Kong, chez un géant chinois du numérique. Et il se passe des trucs extrêmement chelous. Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police? Pourquoi le centre siège ultra-moderne de Ming cache-t-il dans le secret? Pourquoi Moira se sent-elle en permanence suivie et espionnée? Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du centre? Assassinat, accident, suicide. Bref, il est super bien si vous aimez ce type de livre. Très rapidement, pareil, nous sommes sur de l'enquête. Guillaume Musso, édition collector, je crois que c'est son dernier. La vie secrète des écrivains. On voyage, c'est palpitant, pareil. J'ai adoré celui-ci, je l'ai terminant, parce que je lis passionnant derrière. Diabolique passionnant, haletant, machiavélique, on adore ça. Une histoire comme vous n'en avez jamais lu. Pareil, vraiment, je vous conseille. Petite lecture d'été, même si moi je l'ai lu il y a 3-4 mois. 5 amis au soleil. C'est frais, c'est une histoire qui se passe dans les Hamptons, donc à New York. Juste après avoir surpris son fiancé dans les bras d'une autre, Lynn apprend que sa lointaine tante Dorothy lui a légué une maison dans les Hamptons, station balnéaire ultra chic au nord de New York. Ni une ni deux, Lynn traverse l'Atlantique pour prendre possession de la vaste demeure, mais surprise, elle est encore habitée par les colocataires de tante Dorothy, 5 seniors en rien loufoques. Bref, il va se passer plein de choses forcément, un petit côté enquête également. Je vous conseille, très bonne lecture pour cet été. Au niveau série, nous sommes sur une série exceptionnelle qui s'appelle Bosch. C'est tiré des livres de Connelly, donc c'est des polars. Et Bosch, c'est le héros principal. Il y a 6 saisons. Pareil, si vous aimez tout ce qui est enquête, policier, intrigue, c'est extrêmement bien fait. Le rythme, tu ne t'ennuies pas, c'est palpitant. Tout se suit en fait, vraiment tout est lié.
très agréable. Par contre, le petit problème, c'est que ce n'est pas sur Netflix, il me semble que c'est sur Prime Video. Voilà. Et comme elle est tellement de qualité, je me devais de vous en parler. Sur ce, je vais vous quitter. J'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu vous aura plu. Si c'est le cas, bah dites-moi en commentaire. Petit indicateur pour moi perso. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut.